Si tu veux des crédits pas chers sur FIFA 17 Ultimate Team, rends-toi sur IGVault.fr avec le code YOMAX38 tout en majuscule, obtient 8% de réduction, le plus gros code du marché. Yo la famille, c'est YOMAX et on se retrouve pour ce qui va être vraisemblablement le dernier épisode de l'aventure, les gars. Il nous reste 2 matchs de Première Ligue et une finale de FA Cup. Donc je pense qu'il nous reste plus que 3 matchs à jouer dans la série. On est actuellement 7ème à égalité de points avec West Ham. Le but, ce serait quand même qu'on dépasse West Ham dans les deux dernières journées. Je sais pas si le dernier match de l'aventure, ce sera le match en FA Cup, les gars. Donc si ce sera ou si ça va se caler entre les deux matchs de Première Ligue. Mais je pense que ce sera quand même le dernier match de l'aventure. Le tout dernier match après le prochain match de Première Ligue. Donc là, l'entraînement, on va le laisser, les gars. Ça va nous permettre de discuter un petit peu de cette série, l'aventure. Ma foi, j'ai été... j'ai pas mis de son, d'ailleurs. J'ai été un petit peu long, hein, je pense, à sortir les épisodes, à finir la série. J'étais un peu long. Beaucoup vous voulez des épisodes plus longs, mais pour moi c'était pas possible, les gars. À chaque fois je faisais environ, alors attendez, on va choisir les entraînements, on va faire un, tu sais quoi, on va terminer sur tir comme d'habitude, tir, tête et reprise de volée. Lui je l'aime bien, même si j'ai galéré la dernière fois que je l'ai fait. Et va faire pareil, tir encore une fois, vu que là on va essayer de mettre des buts. Attends, peut-être coup de pied arrêté, parce que je crois qu'on va tirer un penalty en finale. Un petit truc de penalty. C'est parti, les gars. Donc oui, en fait, l'épisode n'était pas super long, hein. 20 minutes en moyenne. En moyenne, des fois il y avait un peu moins long, des fois un peu plus long. Tout simplement parce que franchement, j'arrivais pas quand même à jouer plus d'une heure. Tout simplement, j'arrivais pas à jouer plus d'une heure, les gars. Et en gros, un épisode de 20 minutes, ça représente tout le temps. Hein. Minimum, à chaque fois, les gars, j'ai fait une heure de tournage. À chaque fois, j'ai fait une heure de tournage. Donc voilà, pour moi, c'était assez long comme ça, une heure. Je voulais pas faire plus, les gars, honnêtement. J'étais pas non plus si emballé que ça par l'aventure. J'aime bien, mais jouer 2-3 heures d'affilée, non, pas à ce point là les gars. Je vais essayer peut-être de réussir mon entraînement. Hop, voilà, reprise, magnifique. Hop là, faut passer devant, on frappe, magnifique. Mais oh putain, on est bon. Dommage, il la prend de la tête, il va la reprendre je pense. Et là je vais la reprendre par contre. Voilà, magnifique, par contre on aurait dû la mettre. Mais voilà les gars, c'est quand même, franchement, je trouve que c'est quand même un bon mode de jeu. Après, voilà, c'est la première année qu'ils font ce mode de jeu, les gars. Je pense qu'il y a matière quand même à bien l'améliorer pour l'année prochaine. Putain, mais je vais réussir à la reprendre. Voilà, frappe maintenant. Dommage, elle ne rentre pas, mais oh, passe devant, passe devant, passe devant. Et mais il faut pas passer devant, là, Alex. Voilà, comme ça. Tu la touches, c'est pas grave. Tiens, frappe comme ça, on s'en fout. Voilà, ok, j'ai une note de B. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On va passer à l'entraînement penalty. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer quand même. Parce que c'est un peu redondant. On fait toujours les mêmes choses au bout d'un moment. Il n'y a plus trop de cinématiques. Moi, j'ai bien aimé les cinématiques, mais je sais pas si je devrais dire qu'il y en avait assez ou pas assez. Je pense quand même qu'il n'y en avait pas assez. Il y en avait pas mal, mais c'est souvent d'un coup, t'en as plein, et ensuite, t'en as plus pendant quelques temps. C'est un peu chiant. Voilà, je pense qu'il y a grave moyen d'améliorer ce mode. L'année prochaine, ils l'amélioreront certainement. Voilà, cette année, c'est le début, les gars. On va dire que c'était cool, mais sans plus. Je vais vous dire la vérité, sans plus. Donc j'ai pas encore fini, mais bon, on sait à peu près à quoi s'attendre, les gars. On va essayer de lui mettre là, voilà, nickel. Ça va être assez simple cet exercice bah j'ai déjà terminé en fait. Bah, voilà. Oh, une note de B, j'ai tout mis, il me note une... Ah, j'ai pas assez touché de cible, je pense que c'est pour ça. Mais voilà les gars, donc voilà, on va finir. J'espère que l'année prochaine ce sera un meilleur mode de jeu, parce que oui, je sais, hein, d'avance, bien sûr, hein, c'est pour ça que je sais que c'est le dernier épisode de l'épopée, c'est que ça dure qu'une saison. Alors... c'est pas forcément une mauvaise chose, ça dure qu'une saison. Après, ce serait peut-être trop long, j'en sais rien. Quoique, non, en vrai de vrai, non. Mais voilà, non, c'est pas. Non, c'est pas assez long, à mon avis. C'est pas assez long. Mais voilà, c'était sympathique, c'était la première année. Je suis content qu'ils aient fait ça. J'ai vraiment eu envie de le tester. Et au final, je suis moyennement satisfait. Mais je suis un peu satisfait quand même, les gars. Donc, c'est ce qui compte. Un truc, les gars. Alors, je sais pas si vous avez bien suivi, les gars, les épisodes avec moi. Mais ça, cette cinématique, on l'a déjà vue. Et je me demandais pourquoi ils montrent une cinématique avec Alex Hunter carte noire 75 de Ultimate Team. Au tout début du jeu, quasiment, j'avais eu cette cinématique. Et en fait, c'était maintenant qu'il fallait qu'elle soit là. Je pense que c'est juste ça, les gars. Il y a eu un petit souci dans la cinématique du jeu. Mais bon, c'est le seul souci qui a à déplorer. Donc, Sunderland contre Swansea, on va jouer, les gars, titulaire, bien évidemment. Donc, voilà. Franchement... moyennement satisfait. Voilà, moyennement satisfait de ce mode de jeu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, ceux qui ont joué, vous en avez pensé, les gars.
Je vais contrôler uniquement Hunter, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les gars, si ce mode de jeu vous a plu. Après, si vous l'avez suivi qu'à travers mes vidéos, bah, j'espère que la série vous a plu, les gars, honnêtement. Bon, j'étais un petit peu long pour la finir, j'avoue. Mais j'espère que la série vous a plu. Donc oui, forcément, au début, on a fait 500 000 vues, je crois, sur le premier épisode. Et au final, on va terminer avec 120 000, 130 000 vues. Mais c'est tout à fait logique, hein. Quand tu fais un, entre guillemets, un let's play, les gens ils suivent pas du début à la fin, c'est normal. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire là-dessus, on en dira peut-être plus à la fin quand j'aurai vraiment fini le mode, à la fin de l'épisode. Allez les gars, les meilleurs moments du match. Je rêve où il y avait écrit Swansea contre Arsenal. Mais c'est quoi ces bugs? Ok, on joue contre Sunderland les gars, pas contre Arsenal. Allez, allez, faut jouer en 1-2, enfin en 1-2. Attends que je parte, fallait pas revenir en arrière je pense, mais c'est pas grave, je me mets dans l'axe. Voilà, tu me fais le ballon, hop, on essaye de prendre de vitesse, côté, on remet derrière, tu me la remets derrière. Ouais, par contre, t'es mauvais pour me remettre une balle, mais c'est pas grave, regarde, tu me l'avais remise. Là, voilà, aïe, il a par ici, dommage, c'était une action de but ça. Ouais, dans l'axe, nickel. Ouais, c'est passé. Allez, je continue. Derrière, voilà, remets-la moi. Je veux jouer tout seul ce match, dommage. Mais les gars, il est bugué le mode ou quoi? Regardez en haut à gauche. Pourquoi il y a un truc en or là, bizarre? Pourquoi il y a un truc en or sur notre nom de club là, Swansea? Pourquoi? Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cet épisode il est bugué en fait. Dernier épisode bugué complètement. C'est la mi-temps, les gars. Donc une première mi-temps vite fait. Ouais, il y a un truc en or en haut à gauche. Je sais pas ce qu'il fait là depuis le début du match. Bon, ça y est, il est enfin parti. Donc les gars, ce que je voulais dire, c'est que c'est important de gagner ce match pour passer devant West Ham. Et encore, c'est pas sûr qu'on passe devant eux si on gagne, s'ils gagnent également. Et surtout, j'aimerais bien finir la série, bien sûr, en marquant des buts. Donc, ce serait cool, ça aussi, de marquer des buts dans tous les matchs que j'aurai à faire aujourd'hui. Et dernière chose, eh ben, j'ai oublié c'était quoi la dernière chose. Mais je repenserai plus tard. A tout de suite, on continue. Ouais, bien joué ça, Alex. Par contre, il n'y a personne pour t'épauler. Si, il est là. Voilà. Remets-la-moi. Remets-la-moi. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Non. 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 Et on termine ce match sur un 0-0. 6.8 de notes. Et rien à dire, rien à dire les gars, West Ham ils sont où là? Ils sont où West Ham? Ils ont joué ou pas West Ham? Je les vois pas là pour le moment, on descend. Non, on peut pas les voir, ils ont pas encore joué apparemment. Ou alors si, je les vois pas parce que je suis aveugle. Les gars, on va voir si, ce qu'ils ont fait West Ham. Parce que le plus important avant le personnel, c'est le collectif les gars. Franchement, même pas regarde ce qu'il y a eu parce que le match, il était dégueulasse. Je vais reprendre toute l'équipe pour les prochains matchs. Bon, il en reste pas beaucoup des matchs. Mais ça se voit que c'est plus simple en fait de prendre toute l'équipe. C'est même pas plus simple quand Manchester United, j'ai galéré mais j'ai pris plus de plaisir. Donc autant prendre plus de plaisir pour ces derniers matchs les gars. West Ham, ils en sont où? Le jeu, West Ham, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul contre, comme nous. Et Liverpool est passé devant nous. Ils sont passés devant nous, ils ont un point d'avance. Faut que Liverpool il gagne pas au prochain match, West Ham pareil et que nous on gagne. Tout simplement les gars. Et des fois on affronte Liverpool ou West Ham, on va savoir, je n'en sais rien. L'entraînement passe. On va, franchement, on va pas vous le laisser les gars. Mais putain, il risque d'y avoir des surprises dans cette fin d'épisode. On termine les entraînements avec une note de B et une note de A. Bon, le premier, note de B, je n'ai pas trop compris pourquoi. Le deuxième, j'ai compris, j'étais super fort. La note de A, c'est normal. Allez les gars, avant-dernier match de l'épisode. Ou dernier match, parce que des fois on va même pas jouer le dernier match de Première Ligue. Mais je crois, je suis quasiment persuadé qu'on doit terminer normalement sur le match de FA Cup, la finale. En tout cas, c'est le dernier match de Première Ligue contre West Bromwich. Là, par contre, on doit gagner, les gars. Là, on est obligé de gagner, ne serait-ce que pour la 6ème place. Voilà, tout simplement, juste pour ça. Ce serait bien aussi de mettre 1, 2, 3, allez, 4 buts, pourquoi pas. On va contrôler toute l'équipe et c'est parti, les gars. Bon, il y a toujours le bug en haut à gauche, les gars, le truc en or. Qu'est-ce qu'il fout, là? J'en sais rien, les gars, mais il est toujours là. Ouais, yes, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas rouler. Pas mal du tout, Alex, pas mal du tout. On continue, persévère. Ah, je lui ai fait une passe D. Tain, 1-0 pour l'adversaire. Ok, c'est pas de souci, c'est pas grave. On est à domicile contre le 20ème, mais on se prend un but. Ok, pas de souci. Les gars, on se retrouve à la mi-temps. 1-0, même pas 0-0. 1-0 pour West Bromwich. C'est compliqué. Hein. Et franchement, la vérité, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Deuxième période, il faut faire la diff. Hein. Putain de merde, faut faire la diff. Allez, Alex. Place-toi, Alex. Donne la balle. Ouais. Ah, 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 fallait égaliser là. Putain, sérieux. Allez, putain, mais je me fais faucher. Faut qu'on récupère le ballon et qu'on marque tout de suite si on veut gagner le match.
Mais là on est plus loin, on pourra pas gagner, on pourra pas gagner, je crois que c'est mort, 83ème minute de jeu. Attention les gars, oh, c'est mort, je pense que c'est mort, c'est pas possible. Oh là là, vas-y, c'est maintenant qu'il faut marquer, 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 c'est maintenant qu'il faut marquer. Putain, on va pas réussir les gars, putain, ils vont terminer 8ème Swansea, bon, on remarque, c'est pas mal 8ème, hein. Franchement, c'est Swansea, hein, c'est pas Liverpool, c'est pas Manchester United, c'est pas Manchester City, c'est pas Arsenal, c'est Swansea, 8ème c'est pas mal. Mais c'est vrai que putain, on a merdé complètement sur les deux derniers matchs là. On a merdé. Et ouais, 90ème maintenant. Peut-être gratter un point. Tu sais quoi, avec ce jeu, on sait jamais avec un point. Des fois, avec un point, des fois, on est qualifié pour l'Europa League, on sait rien. Non, c'est impossible. On a peur. Ah, quoi qu'avec la FA Cup, on se qualifie pour l'Europa League, je crois. Ou la Ligue des Champions. Non, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. En tout cas, les gars. Défaite, note de merde, et ben tout ça s'annonce très très mal pour la finale de. En plus c'était Liverpool contre West Ham le dernier match. Et Liverpool ils ont gagné, donc j'aurais même pas passé devant Liverpool. Donc au pire, c'est pas très grave, c'était un match qui comptait pour rien. Ok les gars, on va passer au dernier match de FA Cup, la finale. Ça a coupé l'enregistrement, mais dernier match de FA Cup du coup. Dernier match de l'aventure du coup. Franchement, faut qu'on soit le héros du match, parce que là, dans cet épisode. C'est vraiment l'épisode de la catastrophe, je crois. deux matchs de merde de Hunter et une défaite dans les deux matchs. Clairement, c'était nul. Alors, Swansea contre Stoke, prochain match. On a un entraînement, je vais pas vous le montrer, les gars. On s'en fout, là. Ce qu'on veut, c'est la finale. Bon, faut pas déconner, quand même. On termine le dernier entraînement de l'aventure. Enfin, je pense que c'est le dernier entraînement. Des fois, ça n'a rien à voir. C'est pas le dernier épisode du tout. Et il y a une suite, mais je crois que j'ai raison. Avec deux notes de A, les gars. Et... Attends, non. Là, on peut continuer, voilà, on continue les gars. Bref, on arrive à la fin les gars, à la fin de l'aventure. Je vais augmenter de 2 minutes je pense pour le dernier match. Même si ce sera quand même en condensé les gars. Voilà, tout simplement. Swansea contre Stoke les gars, la finale. On retrouve Gareth Walker, prêt pour la finale de la FA Cup. Il est en train de montrer au monde qui est le meilleur jeune joueur d'Angleterre. Va montrer à Gareth Walker qui c'est le patron de Danny Williams. Content qu'on se retrouve avec, ok, Hunter de la classe, mettez le titulaire. Les gars... It's time! It's time! It's the time! It's the time of my life! The last match! Je pensais qu'il y aurait eu des cinématiques et tout, mais bon. The last match! Ok, voilà notre compo pour le dernier match. Allez, les gars. Yeah, that's the real magic of the FA Cup. That's what today's all about. Passion, blood and thunder. Today, you have a chance to become more than just a player. Today, you have a chance to become FA Cup winners. Stick together. Believe in yourselves and you will be victorious. Win and you will become legends. Come on, lads! Yes, c'est parti, les gars. T'as aucune chance, allez hop. T'as aucune chance, direct. Your dreams, man. You know, I ain't gonna pray out that. I am gonna destroy you. That right. I wanna know why you're staying around with you. Not interested. Because your granddad had connections in the game. End of. You were nothing to me. Not even half the player I am. Just like your dad. Nothing. On the pitch, Alex. You'll have your chance. I'll see you out there. Come on, boys. Let's get out of here. Come on. Ah, il fait le mariole, Walker. Il fait le mariole. Oh, on va le fumer, les gars. On va le fumer. C'est pas possible. Faut qu'on les fume. Allez. Allez, remets-lui.
Remets-lui. Ouais, magnifique. Remets-lui. Magnifique. 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 Dès le début, en finale de FA Cup, Alex Hunter. Ferme ta gueule, Walker. Alex Hunter, la famille. Ah, j'ai bien joué. Ah, j'ai bien joué. Hop là. Magnifique pied gauche enroulé. Allez, les gars, on va la gagner cette finale. C'est fini, là. Ça commence super bien. Un petit 4-0 et c'est réglé. Oh. Yes, 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 yes. Reviens derrière, reviens derrière. Voilà, dans l'axe. Voilà, laisse partir Hunter. Allez, Hunter. Allez, le deuxième. Oh, le deuxième. Oh, on était pas loin, les gars. On était pas loin. Bon, c'est un peu gênant le truc en or là qui est sur le score. Mais c'est pas grave, les gars. Je vous ai dit, c'est un bug depuis le début de l'épisode. Je ne comprends pas. Peut-être sur corner, hein, qui sait. Qui sait, peut-être sur corner. Une belle tête. But, but. Non, pas but. Reviens derrière. Frappe. C'est quoi cette frappe, frère? Ok, c'est pas grave, on a eu une belle action. Et ça partait d'une tête d'Alex Hunter, les gars. Dans l'axe. Ouais. Ah, j'ai essayé de croiser en double carré, mais bon, ça a fait une frappe de merde, comme vous avez pu le constater, les gars. Allez, à la mi-temps, avant la mi-temps. Un petit but, avant la mi-temps. Vas-y, vas-y, c'est passé. C'est passé, Alex. C'est passé. C'est passé. Il est pour vous, celui-ci, la famille. Il est pour vous. Il est pour vous. Nique le poteau de corner, frérot. 2-0. Doublé d'Alex Hunter avant la pause, les gars, c'est magnifique. Tout se passe bien. C'est quoi, j'aurais dû mettre 6 minutes depuis le début du match, hein, le temps d'une mi-temps. A chaque fois, je joue en 4 minutes, les gars, en pro, je répète. Et là, je passe avant 6 minutes, j'ai plus d'action, du coup, plus de buts. Non, mais après, ça aurait fait trop long, hein, je te jure. Les matchs de 15 minutes à chaque fois, ça aurait fait trop long, je pense. J'aurais pas assumé, hein, tout simplement. Bref, 2-0 à la mi-temps, rien à ajouter, les gars. Doublé d'Alex Hunter, parfait. Ouais, magnifique. Voilà, on se laisse pas embobiner. On se laisse pas embobiner. On se laisse pas embobiner, nous. Hop. Et olé. Et olé. On fait tourner le ballon. Et olé. Bon, je voulais faire une fin de frappe, mais c'est parti comme ça. Remets-la, Alex. Remets-la, Alex. Et non, c'était pour Alex. Dommage. Ah, mais si vous jouez en arrière, les adversaires, on se dirige tout droit vers une victoire, nous, hein. Voilà, ça joue en arrière et ça balance devant. Regarde, on contre-attaque, nous, vous fume. Regardez, hop. Ça va en 3 passes, bang, 3 passes, on est devant la cage, on frappe, et le 3-0, il est là, frérot. La FA Cup, elle est pour nous. Super passe décisive, je précise. Regarde, même pas besoin d'Alex Hunter pour marquer des buts avec Swansea. Olé, et olé, et oh, 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 oh. Allez, on la donne à Alex, et on termine avec Alex. Le triplé, la note de 10, je l'ai jamais eu dans l'aventure. Et il faut que je la sorte en finale de FA Cup, les gars. Oh putain, 4-0 Piquet. Sérieusement, il est magnifique. Olé. Et gros tour de pied droit de Alex Hunter. Magnifique, magnifique. Et Gareth Walker, il va aller se prendre après ce match, les gars. Comment c'est possible quand je joue contre le 20ème de première ligue? J'arrive pas à mettre un seul but. Et là, en finale de FA Cup, bon, contre Stoke City, c'est pas non plus un gros club. Je leur mets 4-0, easy. Et voilà, les gars. Champion FA Cup. Ah merde, j'aurais peut-être dû laisser. Ah merde, j'aurais peut-être dû laisser, ça aurait été sympathique. Quel triplé sensationnel. S'il vous plaît, première fois sensationnel. S'il vous plaît, première fois que j'ai une note de 10. Première fois, les gars. Alors j'espère que là, ils vont faire péter le champagne et les cinématiques de fou. Allez, on se pose et on regarde. Not bad for a prima donna. Merci. You did yourselves proud. This club, those fans, you did us all proud today. Whatever else has happened this season, I want you to remember this moment. Because this belongs to us! Yeah! Seems it brought us luck after all. Here. If anyone deserves this today, it's you, lad. Well, what are you waiting for? C'est beau, c'est beau. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que c'est un petit peu... Quoi?
J'avais une note de 10 dans le match et là j'ai 9.7. Oh, 3 buts, une passe T, laissez-moi les 10. Et je rêve où il y avait que 2 fois je sais pas combien crime de but marqué, mais j'en ai mis 3. Et je finis à 73 l'aventure alors que normalement j'ai 75. Et des fois c'est pas fini les gars. Je vous dis depuis tout à l'heure sur le dernier épisode, mais des fois c'est pas terminé. Voyons voir. Hello Alex. Ah l'Européen, il est là l'Européen. What are you doing here? Mom got me a ticket to the match. You played well. Mais j'ai trop bien joué. I'm back in England now. Just want to show my face. What? And? Well, I'll be on my way then. You look good, son. Strong. Mom has my new number. On s'interroge, hein. Certainement qu'il y aurait un DLC sur l'aventure. Parce que je pense pas qu'on aura d'autres matchs à jouer dans cet épisode, hein. Ah si, peut-être que... Ah, j'ai pas envie de spoil. Peut-être que c'est pas totalement terminé, les gars. En tout cas, on a terminé la première ligue et on a terminé la FA Cup. Swansea encore 3 points de prix avec Alex Hunter sur le terrain. Ça n'a rien d'une coïncidence. Victoire... Bah quoi, on a pas pris 3 points, c'était une victoire en... T'es bête ou quoi? C'est une victoire en FA Cup. Victoire 4-0, j'espère que Alex Hunter sera resté en forme. Nous, on est souvent blessés dans sa famille. Ah ok. Ok, ok, ok. On va voir ce que ça dit la suite, les gars, hein, tout simplement. Oh, check this guy out, mate. What is he doing in the Prem? He plays like my gran. Should be me. It will be me. You know, it feels weird not training. Take it easy. Take a load off. I mean, they'll have your shuttle running and eating salads again before you know it. True that. Can you get that, Mum? Wouldn't want to tear you away from your important football match. Love you. Thank you. Yeah, right. Catherine, how's that new job treating you? Oh, it's really good. Got me travelling a lot, though. I'm in Barcelona next week. Oh, I love Spain. Nice one. So what are you two doing sitting around? Shouldn't you be shuttle running or something? And what do you care about me for, Michael? I care about all my clients. Danny, I need to talk to you. My clients? No, I'm serious. I've been getting calls about you, lad. Let's talk then. After I'm done thrashing our boy here, though. What? Not happening? So what's that then, Michael? Actually, Jim called. Said he needed to talk to me. Good luck. So, what is it you wanted, Jim? Here. Get a good price for that online. You know, it was never about the money, Jim. Whoa, hold on. What can I do for you, Mr. Butler? Call me Andy. Hey, just wait to say well done, lad. Eh? You what? Too busy playing video games? Put on the sports news. What are you talking about? Alex Hunter continues his meteoric rise as his name features on the list of likely players to be named to the England squad. No doubt a day filled with excitement in the Hunter household. But what does it mean for England's chances at the next World Cup? Eh oui, ça je le savais. Mais je croyais que, en fait, je croyais que j'étais trop nul. Je pensais que j'étais trop nul, je vous jure. Et que j'avais pas encore été appelé en sélection d'Angleterre. Mais en fait, c'était vraiment juste à la fin. Ou alors, c'est juste que moi, j'étais trop nul et que ça arrive uniquement à la fin que pour moi. En tout cas, on a terminé l'aventure, c'est bien ce que je me disais. On a débloqué Alex Hunter sur FUT. On va voir ce que ça fait quand on appuie sur continuer tout de même. Continuer. Continuer à incarner... Ok, c'est bien fini, les gars. Je voulais revenir en arrière voir mes stats quand même. En tout cas, on va aller sur Ultimate Team, récupérer notre carte, les gars. Félicitations, vous avez terminé la première partie de l'aventure d'Alex Hunter. La première partie. Je pense qu'il y aurait un DLC ou l'année prochaine, il y aura la deuxième partie. Je n'en sais rien. Vos exploits vous ont permis de débloquer Alex Hunter dans Ultimate Team. Avec cet élément, Hunter peut poursuivre son aventure parmi les stars internationales du football pendant que vous créez votre équipe de rêve pour jouer en ligne et hors ligne. Ok,
Retour menu principal, Jamie, parce que c'est bon, bah, il est dans l'Ultimate Team, on va le débloquer. Mais je voulais juste voir mon bilan avec Alex Hunter, mon nombre de buts et tout. Donc les gars, on va aller voir ça après. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'aventure du début jusqu'à la fin. C'était cool, après dommage, comme je me suis fait spoiler. Je me suis fait spoiler vers le début. Du coup, putain, ça m'a fait chier. Je savais qu'on allait jouer en équipe d'Angleterre. Je savais que ça allait devenir un bâtard, Jared Walker. Je savais tout ça. Par contre, il y a des trucs, je croyais vraiment que ça allait arriver. Genre, Walker, on en parle de sa mort. Je pensais qu'il allait mourir, Jared Walker. Je te jure, c'est... Dans les commentaires, j'avais lu ça. Je me disais, wesh, Jared Walker, mon pote, là. Enfin, mon pote qui va devenir un bâtard, il va mourir tellement. Mais c'est quoi le délire? Non. Mais je suis un trou de balle. Je suis un trou de balle. Après, je viens d'appuyer sur continuer. Oui, oui, oh non, bon, de toute façon, au pire, on attend qu'elle passe, les gars, et on revient. Donc voilà, les gars, on a terminé l'aventure, donc je vais regarder mes statistiques, 26 buts au total et 10 passes décisives en combien de matchs, en 24 plus 13 plus 3 plus 2, donc attention, les gars, 24 plus 13, 37, 4, 5, 6, 7, 38, 40, 42 matchs, les gars, 26 buts, 10 passes D, ça va, franchement, ça va, c'est une belle saison. On aurait pu faire mieux tout de même, on aurait pu faire mieux. Au final, je finis un peu plus arrogant que modeste, mais j'ai quand même un petit peu de modestie en moi. 6 200 000 en valeur de transfert, 635 000 argent récolté, on va dire ça comme ça. Toutes les récompenses futures, bien sûr, ont été débloquées. Voilà les gars, la fin de l'aventure, ça se termine là-dessus. Rien de plus. C'est pour ça que, en fait, je le savais déjà, ça. C'est pour ça que j'étais déçu quand je vous en parlais au début de l'épisode. C'est vrai qu'on aurait aimé que ça continue tout de suite, hein, commencer notre aventure en équipe d'Angleterre. Mais c'est vrai, ils n'ont pas pu tout faire, je pense, cette année. Je sais pas s'ils vont sortir ça en DLC cette année déjà, ou l'année prochaine, on aura la suite de l'aventure. Mais bon, il n'y a pas tout à jouer. Franchement, il n'y a rien à ajouter dans ce mode. C'est un mode vraiment intéressant, mais pas complet, pas au point, j'imagine, même s'il était bien tout de même. Mais voilà, c'était un peu redondant, toujours faire les mêmes choses et tout. Et au bout d'un moment, t'attendais les cinématiques comme un Messi tellement. Bref, mon Alex Hunter, il est là les gars. 77 de vitesse, 75 de dribble, 74 de tir, 32 de défense, 65 de passe et 65 de physique. Je dois être un des derniers à le recevoir les gars. 1m81 et né en 99. Ok, bah Alex Hunter, bienvenue au club. Et voilà les gars, j'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum, vraiment maximum de j'aime pour ce dernier épisode. Désolé, les deux premiers matchs étaient dégueulasses, mais la finale... Ça va, et pourtant j'ai rien changé. Honnêtement, juste le temps de jeu, j'ai augmenté de 2 minutes. Sinon, j'ai rien changé. J'espère que cet épisode vous a plu. Le dernier épisode. Passez une bonne journée. Ciao la famille. C'était YoMax.